Les Stacks à Sailing, c'est l'association de voile de l'école. Donc. Qui existe depuis très longtemps ou c'est vous qui l'avez créé? Non, ça fait 20 ans déjà quand même, donc on reprend le flambeau. Donc c'est pas à vous qui depuis 20 ans êtes à l'école et qui tenez le club voile quand même. Je me dérouille quand même un petit peu mieux, mais... Très bien. Et toi, Aymeric, tu es vice-président. Alors, qui fait quoi exactement? Racontez-nous, Aymeric, qu'est-ce que tu fais, toi? Le président relègue, donc je fais le reste. D'accord, ok, super. Donc toi, tu profites du village, c'est ça? C'est ça. Bon, plus sérieusement, l'Estaca Sailing, c'est quoi? C'est combien de membres à l'année? Combien de compétitions? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une idée de ce que ça représente? Est-ce que vous êtes quelques-uns et ça n'intéresse pas beaucoup de monde et vous êtes obligé d'aller recruter à la force du poignet? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez trop de monde et vous êtes obligé de refuser du monde? Non, donc c'est une association qui compte une bonne vingtaine de membres. Donc nous, on est une école où il y a beaucoup d'associations, donc c'est vrai qu'on a c'est difficile de se faire démarquer dans une telle école. Après, nos événements se concentrent surtout autour de la course de Redec, qu'on participe chaque année. Et sinon, on participe à des petits événements mineurs, comme la Coupe de France étudiante ou les voiles du Havre. Cette année, c'est pas sûr qu'on participe à l'EDEC. Donc, pourquoi? Parce que l'école a déplacé les vacances, donc c'est en cours des négociations. Mais bon, on va essayer quand même. Hein. Pour le financement justement de ces épreuves, comment ça se passe? Comment vous arrivez à vous financer? Donc il y a l'école qui finance une bonne partie déjà du projet. Et après, c'est les sponsors. Chaque année, on se débrouille pour trouver. Mais ça remonte une bonne somme, donc on a besoin d'aide. Alors comment ça se passe justement? Quel type d'entreprise, de partenaire, de mécène vous visez? Tout le monde. Donc, si vous nous regardez et que vous avez envie de donner 10 euros, vous pouvez leur envoyer, ils en seront ravis. Non, plus sérieusement, c'est surtout des entreprises, c'est des particuliers, des mécènes. Qui vous visez en premier? Des entreprises, des associations aussi. On a fait l'an dernier un partenariat avec comment ça s'appelle, Proteor, qui organisait aussi une compétition de voile avec des handicapés. Et donc on a emmené lors de l'EDEC deux personnes à mobilité réduite sur le bateau qui ont pu s'amuser avec nous sur le bateau et faire de la voile, alors que c'est pas forcément donné à tout le monde. Est-ce que justement il y a un intérêt, alors ça c'est vous qui allez nous le dire, on va s'avancer un tout petit peu, est-ce qu'il y a un intérêt justement à venir soutenir les Stacca Sailing sur les compétitions quand je suis une entreprise? Qu'est-ce que ça me rapporte de venir à vos côtés, si ce n'est le plaisir de soutenir des jeunes qui font de la voile? Bah, c'est rapprocher son image de son entreprise d'un sport qui est plein de bonnes valeurs. Aussi donné que nous on a une image, donc à la fois on vise sur la compétitivité en amenant, par exemple l'année dernière sur les decks, on avait donc une équipe qui participait au trophée mer, qui l'a vraiment pour gagner, là, pour faire des bons résultats. Et à côté de ça, on avait loué un deuxième bateau pour justement emmener ces handicapés faire du bateau. Et donc, vous voyez les choses. Ouais, donc du coup ça permet comme ça de lier la compétition aussi à une bonne action et pouvoir partager toutes ces valeurs de la voile, et donc ça permet aussi de s'associer à ce genre de projet quand on est une entreprise, c'est ça ce que je comprends? Tout à fait, voilà. C'est bien, vous pouvez m'embaucher par communication, je peux venir vous faire le truc. Non, en tout cas c'est important bien sûr. Vous avez déjà commencé à rechercher vos partenaires ou est-ce que vous êtes en phase de préparation? Où en êtes-vous? Bah, on cherche en permanence, donc on a commencé, on a un responsable sponsor qui maîtrise tout ça, mais toute personne est la bienvenue pour amener des contacts, des numéros, des amis, des contacts, quoi, pour trouver des sponsors. Alors on va directement sur le site de l'école, il y a un site particulier sur lequel on peut se renseigner, vous contacter? Oui, donc il y a un site, vous tapez Stacca Sailing sur Google, vous devrez trouver. Stacca Sailing. Stacca Sailing, voilà. Voilà, comme en anglais. Et là, on a un site sur lequel on peut vous contacter. Oui, normalement, de toute façon, il y a les contacts, les adresses mail des membres. Et puis, normalement, je crois qu'il y a, voilà, il y a une l'adresse mail de l'association qui s'affiche. Donc, notez-la. Donc, estaca-sailing@estaca.eu. Comme ça, on ne peut pas se tromper, c'est l'adresse pour venir vous soutenir dans vos différentes compétitions. Ici, justement, sur les voiles de Seine, déjà, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous avez dit oui à cette compétition? Et puis, combien de personnes sont présentes pour représenter Stacca Sailing? Bah, l'Estaca étant basé à Levallois, c'était quand même simple pour nous parce que c'était près de chez nous. Deuxièmement... Vous êtes venu en bateau? Donc on est venu en bateau, voilà, on a suivi la Seine et on est arrivé ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Combien vous êtes?
Là, on est. En fait, on se relaie parce que vu que ça dure 2 jours, on veut prendre pouvoir un week-end. Enfin, on aimerait avoir un week-end aussi, donc on se relaie. Donc, on est au final une petite dizaine, un peu plus peut-être. On est 12, voilà, 12 sur le week-end et on va se relayer. Très bien. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bon vent et bonne nave. Bon vent, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais on espère que vous allez le toucher pour justement votre première manche dans quelques instants. Qui est à bord là sur le bateau? Donc normalement il y a Christophe. Bah, on espère, oui, normalement, oui. J'espère qu'il y aura du monde. Bah, on a 4 membres, Christophe, Sylvain, Paul et Charles Gou, je crois. D'accord, très bien. Qui sont les quatre premiers à monter sur le bateau sur ces Open 570 qui sont à l'honneur sur cette compétition. Merci les garçons d'avoir été avec nous pour parler de l'Estaca Sailing. On aura peut-être l'occasion de se recroiser durant le week-end, donc vous n'hésitez pas, vous venez nous parler de vos projets. Si vous avez des choses encore à nous dire, vous êtes les bienvenus, vous êtes là, on est là pour ça, donc soyez sûrs que vous serez les bienvenus et que vous serez bien accueillis. Bonne journée. Parfait, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, voilà les garçons de l'Estaca Sailing qui vont aller rejoindre leurs petits camarades dans quelques instants.